Très cher Dominique, nous sommes tous très ravis de te recevoir ici ce soir pour ce qui est finalement l'événement de notre année, chaque année, l'accueil de ton nouveau livre. Ça fait au moins 5 ans que les étudiants de Bordeaux et tes camarades suivent de très près ces publications autour de la question romanesque. Alors le nouveau s'appelle Petite physique du roman. Tu as choisi un titre qui se construit, qui se décante tout au long du livre, un titre que tu as voulu au plus près de tes intuitions, porter sur une réflexion sur la forme comme énergétique. Le roman, dont la forme romanesque, qui serait une énergétique du roman. Ce livre, donc, voilà, qui tout à fait différent des précédents. Quand tu m'as demandé si j'accepterais de faire cette présentation avec toi, je me suis dit oui, pas de problème, rabattez, ça fait des années que je le lis, ça me demandera pas trop de travail, je connais. Et donc, je reçois le livre et là, la claque, j'ouvre la table des matières, j'ai rien lu. Rien, presque rien. Tout est nouveau. Tout est nouveau. La méthode est nouvelle. Les œuvres, pour un certain nombre, sont, en tout cas pour moi, totalement inconnues. Et donc, voilà, je me suis lancée dans cette petite physique. Et je voudrais qu'on parle justement de ça. Alors, matériaux nouveaux, tu as choisi des auteurs qui sont non seulement peu connus, mais pas forcément reconnus comme des œuvres littéraires universitaires. Et tu as choisi une méthode qui n'est pas celle que tu présentes d'habitude, 19 petits chapitres chronologiques. Alors, rabattez la chronologie, ce n'est pas forcément une habitude. On est habitué à d'autres trajectoires, voilà, qui comparent, qui présentent des traversées très intéressantes. Et là, tu nous dis, bon, ben, y a un continuum, à vous de le chercher. Voilà, c'est un petit peu sur cela que je voudrais commencer. Alors, d'abord, le choix de ces œuvres. Tu nous mets en premier chapitre Ferdinand Fleuret, avec un roman qui s'appelle Jim Click. Alors, avant de raconter un peu ce roman, mais d'abord, où est-ce que tu as trouvé ce roman? Pas qu'on se dit, bon, je connais pas, ouais. On a un peu honte, on se dit, c'est mon métier, jamais entendu parler, on regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, il est assez extraordinaire, on se demande comment on a pu passer à côté d'un bouquin pareil. Et puis, pourquoi ce choix d'ouvrir cette petite physique du roman avec ce livre complètement dingue? Voilà. Alors, merci de la présentation. Beaucoup de choses. Dans mon idée, ce livre est un peu le répondant ou le complément du précédent, La passion d'impossible, qui était une histoire du récit au XXe siècle. Mais voilà, pour moi, le récit n'était pas du tout ce qui éliminait ou rendait caduc le roman. Et donc j'avais envie aussi qu'il y ait, qu'il y ait une réflexion sur l'art du roman, sur les solutions romanesques, sur et contrairement à ce qu'on dit parfois, ni essoufflement, ni tarissement d'inspiration. Donc je voulais d'une certaine manière écrire un livre qui était fait d'études ou de chapitres différents hein, que j'ai faites sur beaucoup d'années, hein, les textes reprennent des choses que j'ai pu faire il y a longtemps, mais l'idée était de suivre de cette façon-là quelque chose qui va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des textes très récents, et qui montre que l'inventivité romanesque est toujours aussi fertile. Voilà, donc c'est un livre consacré qu'à des auteurs français. Alors, j'avais eu la chance, le Jim Click, c'était une rencontre il y a très longtemps. J'ai un ami qui m'a écrit en disant, j'ai d'abord cru que tu avais inventé cet auteur. Ça aurait été pas mal de commencer par une imposture ou par une j'aurais été moi-même romancier en inventant un livre imaginaire, mais bon. C'est Jean-Benoît Puech qui m'avait fait lire ça, parce qu'à l'époque, il y avait une collection qui s'appelait La Bibliothèque Retrouvée, et qui, comme le nom l'indique, consistait à republier des textes très peu connus.
Et donc, il m'avait prêté le livre que j'ai trouvé vraiment formidable. C'est un roman d'aventure parodique avec un personnage central dont on ne sait absolument pas pendant tout le livre si c'est un personnage réel ou si c'est un automate. Et sur ce thème de fantastique, plutôt, Fleuret, qui était un ami d'Apollinaire, une sorte de polygraphe un peu délirant des années 1910-1920, qui a fini très très fou à l'asile, hein. Il a très mal tourné. Et peut-être que Jim Click indique d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'un petit peu schizophrénique déjà en germe chez lui. Voilà, mais je trouvais amusant de commencer autour d'un des vecteurs du roman, qui est quand même très puissant, le roman d'aventure, voilà, et de voir une forme parodique, ironique, mais qui fonctionne aussi comme une sorte de roman anglais. Il y a la bataille de Trafalgar au milieu de tout ça. Enfin bon, donc d'autre part, je trouvais que c'était plutôt amusant de. C'était une sorte de petite plaisanterie que je faisais aussi à mes collègues, et voilà, de commencer par un livre que personne n'a lu. et alors, plus sérieusement, c'était aussi, et je l'espère, enfin, j'espère que le fait d'écrire de la critique ou des études sur des livres continue de donner envie de découvrir des livres. Voilà, donc je pense, comme professeur et comme critique, que c'est très important de pas toujours tourner sur les mêmes textes canoniques et d'ouvrir des corpus, de faire découvrir des auteurs comme j'avais mis Henri Thomas un peu à l'honneur dans La Passion de l'impossible. Voilà, je pense que c'est bien que l'ensemble des textes qu'on convoque pour réfléchir au roman soit pas fermé sur des œuvres que voilà, ou des noms qui sont un peu toujours les mêmes. Donc c'était une manière de rendre hommage à un texte un petit peu périphérique, et ça faisait commencer un peu l'idée du livre autour des années 20-30, voilà, à ce moment-là, où on a tendance aussi à dire qu'il y a une sorte de crise du roman qui se poursuit, mais voilà, c'était chercher une sorte de solution originale. Et c'est un livre très drôle en plus, Jim Click, c'est vraiment... parodie de romans anglais, comme il y a chez Fleuret, voilà. Donc c'était ça l'idée. Et l'autre idée dans ce livre, après, ben, un de mes fils trouvait il me disait, mais physique, c'est ce que c'est vraiment la physique, comment marche la métaphore. Mais c'était l'idée que, non pas de faire ce qu'on a fait longtemps dans les études littéraires, ce qu'on a appelé à un moment la narratologie, ou dans la suite du structuralisme, si vous voulez, on faisait des espèces de classifications, de taxinomies, voilà. Donc on classait les types de récits. On lisait Genette, et puis on classait les types de, voilà, récits. Voilà, on lisait Figure 3 de Genette, et on disposait un peu le jeune aussi. Après, on disposait dans des tableaux et on voyait si... Bon. Moi, j'ai été... élevé dans ce moment-là, mes études de lettres se sont faites dans ce moment-là, mais j'ai toujours été sensible au fait que si on mettait comme ça dans des grilles, dans des taxinomies, si on classait les textes de cette manière-là, échappait quelque chose qui me paraît de l'ordre de, j'avais appelé ça l'inscription il y a longtemps, ou une énergétique, ou une tension, ou une contradiction que le livre... dont la forme du livre cherche à résoudre la tension sans que, en vérité, elle y arrive vraiment. Et moi, j'ai toujours été très sensible au fait que les meilleurs romans sont aussi tirés par une sorte de nécessité d'être poussé par cette force initiale, de lui trouver une sorte de forme de résolution, mais qui n'aboutit pas, et que quand on lit le livre, voilà, je voulais mettre à l'honneur. Donc c'est pas une théorie du roman, mais c'est une manière d'être sensible au fait que dans tout roman important, il y a comme une sorte de contradiction entre la force qui l'anime et la forme qu'il y a besoin de trouver. Mais cette forme ne calme pas ou ne résout pas. Donc, à la différence de la narratologie, je veux pas être trop théorique là, mais
Ça veut dire être très attentif à tous les endroits où quelque chose ne rentre pas tout à fait dans le projet de l'écrivain, où quelque chose bouscule. Voilà, donc même Jim Click, qui est un roman parodique assez drôle, s'était montré aussi pourquoi cette affaire d'automate allait compliquer la narration, puisque ça commence avec un faux manuscrit, avec la visite après pour aller vérifier si c'est bien l'automate ou pas l'automate. Enfin bon, ça commence aussi en partie dans un asile de fous. Enfin, voilà, donc la deuxième étude qui porte sur Georges Bataille, voilà, le bleu du ciel me paraît une sorte de roman très composite, d'une certaine manière, un petit peu, on pourrait dire mal fichu même. Voilà, il y a une partie qui fait 3 pages, il y a... Bon, voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est comment un romancier travaille avec une sorte de matériaux dynamiques qu'il a à la fois besoin d'organiser, de mettre en forme, mais qui provoque des moments de hiatus, de contradiction, de... Voilà, donc une sorte d'énergétique. Donc c'est pour ça que j'avais cette image d'une physique du roman, de chercher plus comment le système des forces expressives trouvait des mises en forme plus ou moins régulières ou plus ou moins organisées. Et c'est pour ça. Alors, j'étais persuadé que j'avais lu l'expression dans un commentaire de Bernard Pingot sur La route des Flandres. Et en fait, non, je l'avais inventé en lisant. La petite physique, dans notre temps, c'était Spinoza. On savait que c'était voilà, truc un peu inachevé. Un petit clin d'œil à Queneau, ou je ne sais quoi. Mais bon, voilà. Mais enfin, c'est l'idée. Petite et pas simplement une manière de... Voilà, je ne cherche pas du tout à donner les lois physiques du roman. Donc, c'est plutôt une série d'études où il s'agit à chaque fois de se rendre attentif à cette espèce de dynamique interne et qui, à mon avis, fait la valeur du roman pour le romancier, mais aussi pour le lecteur. Voilà, je pense qu'un lecteur de roman est en fait porté par cette espèce d'énergie, de dynamique qui fait que on pense que ça va se stabiliser de cette façon, mais ça passe ailleurs. Il y a une sorte de digression de telle autre façon. Il y a voilà, et que on lit avec cette espèce de recherche, comme l'écrivain, mais d'une autre façon, de l'ensemble du livre qui, d'une certaine manière, mettra tous les éléments. Mais voilà, donc il y a aussi dans ce livre une réflexion sur. Parce que je crois que c'est plus le métier d'un enseignant ou d'un critique, sur ce qu'on fait quand on relit un livre, qui n'est pas du tout l'expérience commune d'un lecteur. Hein, d'une certaine manière, il n'y a aucun besoin de relire des livres. Enfin, on lit aux enfants plusieurs fois les mêmes livres, hein, vous savez. Mais enfin, c'est finalement un geste assez bizarre. Moi, je lis beaucoup, mais il y a des années où je me dis, mais pourquoi je relis tant de livres que j'ai déjà lus alors que j'en ai tant que j'aimerais lire et que j'ai pas encore lu. Voilà, donc l'opération de relecture est aussi une opération par laquelle à la fois on confronte le souvenir de sa lecture ancienne. Il y a quelques-uns des textes. Dans l'introduction de ton Modiano, là, que tu pars de cette envie de confronter. Pour Villatriste, avec des souvenirs, voilà, d'impressions de couleur sépia, on a. Je pense que si vous avez lu du Modiano, c'est toujours la chose un peu bizarre. On a l'impression d'avoir oublié ces livres, et en même temps qu'on les a déjà lus. Et donc voilà, Villatriste, j'en avais un souvenir. Moi, c'était un des premiers que j'avais lu. J'avais énormément aimé ce livre. Et voilà, la relecture était comme de revisiter un lieu qu'on connaît. Voilà, donc c'est. La relecture, je ne crois pas qu'elle soit différente de cette première lecture, mais elle permet de redéplier les effets dynamiques auxquels on n'est souvent pas forcément amené à en être conscient. Voilà. Mais quand on relit, tout d'un coup, on s'aperçoit voilà, que, ah oui, il y avait ça, je ne sais pas que je n'avais pas fait attention, mais porté par le mouvement du texte, on oublie que là, quelque chose travaille autrement, etc. Donc, il y a aussi,
Je ne fais pas une physique des lois du roman, je ne fais pas une taxinomie des manières d'écrire des romans, mais j'essaye de voir comment cette dynamique fait qu'il y a une manière particulière d'être porté comme lecteur de romans à l'intérieur d'un univers, d'une voilà, et avec quelque chose, oui, pour moi, c'est très important, une énergétique particulière, et voilà, qui veut dire tout simplement qu'est-ce qui fait que quand on a commencé un roman, parfois, alors qu'on a plein de choses importantes à faire, au lieu de les faire, on continue à lire le livre, et ça suspend le temps d'une certaine façon, ou à quels endroits on s'arrête, enfin, vous voyez, toutes sortes de choses dont on parle finalement assez peu, mais voilà, qui fait cette traction, cette espèce d'effet impérieux qui fait qu'une fois qu'on est embarqué dans une lecture, on est poussé, voilà. Donc cette traction, cette poussée, cette dynamique, cette énergétique, voilà, c'est ça que je voulais désigner par le terme petite physique du roman, et voilà, qui est... Qui est aussi, et c'est ce que tu dis en introduction, une dédicace à Julien Gracq, une manière, parce que je suis toujours sensible, moi, à la façon dont tu fais des choses très nouvelles qui font énormément avancer aussi la réflexion, qui sont fortes sur des livres qui apportent beaucoup à la conception de la littérature, à sa lecture fine, à son analyse, mais en accueillant un compagnonnage ancien de livres importants. Il n'y a pas chez toi ce geste de table rase où on va liquider tel ou tel oublié. Et là, il y a, pendant celui-là, c'est Julien Gracq, l'idée que développée dans en lisant en écrivant, et même la métaphore de cette énergie dans lisant en écrivant, que le lecteur rejoint vraiment les tensions de l'écriture, qu'on a ce recoupement, et que donc la lecture fine du texte, celle qui suit quelque chose petit à petit, retrouve des mouvements de l'écriture, retrouve le laboratoire de l'écriture et ses forces même là, qu'on n'est pas en train de plaquer des dynamiques ou des schémas de composition sur quelque chose qui n'est pas. Oui, il y a un accueil de Gracq que je trouve très joli jusqu'au chapitre que tu lui consacres. Voilà, moi j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul bien sûr, le livre de Gracq qui s'appelle En lisant, en écrivant. La seule chose que j'avais trouvée étrange en le lisant quand c'est sorti au début des années 80, c'est que Gracq est un excellent lecteur de Stendhal, Balzac, même Proust, qu'il aime d'une manière un peu difficile, puisqu'il dit que Proust est un terminus, Proust considéré comme un terminus. Bon, c'est pas forcément très gentil. Mais ce livre, qui est une sorte d'éloge du roman et qui met en avant vraiment tout ce que Gracq appelle l'attraction impérieuse, etc., de façon très curieuse, ne parle absolument pas des livres de son époque. C'est-à-dire, ça s'arrête à Proust, et il n'y a absolument rien. Un des manques les plus étonnants, c'est sans doute Giono. Là, je pense que c'est pour des raisons politiques ou d'époque, mais enfin, tout ce qu'il dit pourrait tellement facilement s'appliquer à Giono sur le paysage, sur la manière d'embarquer le lecteur dans une histoire de... Et j'avais trouvé ça étrange que Gracq fasse cet éloge du roman au moment où, en fait, ça fait presque 20 ans qu'il est plus capable d'écrire de romans, d'une certaine façon, qu'il écrit autre chose. Voilà. Et avec Gracq, il y a un autre compagnonnage pour moi très important, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je trouve là aussi que, comme critique, c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment reconnu, mais c'est Bernard Pinault. Donc je trouve que les efforts théoriques pour penser la littérature, je ne sais pas, avec la psychanalyse, avec Blanchot, ont été pour moi très importants, mais aussi parce que Bernard Pinault, moi, m'a conforté dans l'idée de ce qu'il appelle, et que je reprends à mon compte, le plaisir du commentaire. Voilà. Et je pense que, comme professeur de littérature, cet exercice particulier du plaisir de rester dans un texte, sur un texte, d'en déplier les richesses, les subtilités, de regarder comment c'est fait. Donc, comme je voulais pas être trop critique avec Gracq, il y a une étude sur le roi Cophetua, qui est un petit récit, un petit roman de Julien Gracq qui est dans la presqu'île. Moi, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle histoire. Et j'ai fait exprès de prendre une expression qu'il y a dans le texte, c'est l'expression profil perdu, et de regarder juste, c'est un plaisir
un peu de technicien, de voilà. Oui, c'est drôle de te voir vivre le commentaire avec les mains. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est-à-dire que voilà, et on repère qu'il y a profil perdu, on s'aperçoit qu'il y a perdu dans beaucoup d'endroits du texte, à certains, voilà, que cette expression va être en italique, pas en italique, qu'elle occupe une partie du récit, mais qu'après, elle est, voilà. Donc, ce travail qui est, je pense, un des plaisirs qu'on a enseigné la littérature, voilà, de dépliement, pour voir comment se construit véritablement, comment se tisse, se tresse, se travaille un texte et voilà, c'est ça que je cherche à faire. Alors, il y a des lectures très ponctuelles et puis il y a des lectures plus ouvertes sur une œuvre plus généralement ou une solution comme le roman policier. Ou, voilà. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que à partir de ce moment-là, dans mon idée, c'est un livre qui devait se faire sans coupure. C'est au contraire de La Passion de l'impossible qui essayait d'écrire une histoire du récit, une histoire un petit peu particulière, je ne vais pas revenir sur ce livre, mais là, ce n'est pas du tout exhaustif. Hein. Dans ce livre, il manque toutes sortes de gens, Giono, Bernanos et bien d'autres. Donc il y a un choix un peu arbitraire, mais une des choses que je voulais montrer, c'est qu'en vérité, le nouveau roman n'est pas la coupure qu'on a trop souvent voulu montrer ou de lire dans le nouveau roman le fait que c'est une manière d'avoir continué le roman, alors qu'on a souvent dit le contraire, mais que chez Claude Simon ou chez Duras, mais dans nouveau roman, entendre moins nouveau que roman, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, et donc... Si on met toutes ces études dans une sorte de continuité chronologique, c'est pour ça que je me suis demandé un moment comment le faire, mais je me suis dit une sorte de solution chronologique est plutôt amusante sans que ça fasse une histoire. Parce qu'aussi, ça crée des rapprochements un peu curieux. Manchette-Pérec. Mais je pense que Manchette-Pérec, c'est pas un... Alors, Manchette, juste deux secondes, parce que... si les gens sont comme moi, ils n'ont pas forcément lu Manchette avant de lire ton livre. J'ai découvert Manchette dont je connaissais le nom. Je connaissais le travail cinématographique, mais pas là. Donc, juste une petite présentation. Alors, Manchette, c'est un écrivain de romans noirs, très important dans l'histoire du roman noir français, qui a écrit dans les années 70-80. Et qui est l'inventeur d'une formule qu'il a lui-même appelée le néo-polar. Voilà. Et c'est d'autre part un excellent critique de romans policiers et de romans noirs. Alors, c'est un auteur qui était plutôt cantonné, enfin, il est chez Quarto, etc. Moi, je pense que c'est une solution extrêmement intéressante dans l'histoire du roman en France, dans ces années-là, et que d'une certaine manière, il se pose des questions qui sont pas loin de celles de Pérec dans les années 60, notamment sur la question. Voilà, donc il y a un des fils, c'est des questions qui sont des questions de romancier. Voilà, et une question de romancier dans les années 60, c'est de quelle manière on peut continuer la vieille affaire du réalisme. Voilà. Qui est un peu voilà, qui pose toutes sortes de problèmes, qui a été contesté par bon voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on lit à ce moment-là comme Pérec, le théoricien Lukács dans les années 60, enfin Pérec se pose vraiment des questions de savoir de quelle manière on peut, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire la réalité, qu'est-ce que ça veut dire faire une fiction qui est une base réaliste. Voilà, la solution de Manchette, c'est de dire: le roman noir, ça va aller directement sur un matériau, voilà, qui est plus violent, plus voilà, plus politique aussi, puisque Manchette a toute une théorie du passage du roman policier au roman noir. Et le roman noir, c'est là où le roman policier est la restauration de l'ordre. Le roman noir, c'est qu'il n'y a pas de restauration de l'ordre, que le monde est chaotique, tragique, et voilà, qu'on peut s'en sortir individuellement, mais même pas vraiment, forcément. Alors, des romans policiers, il y en a trois. Enfin, il y a trois romans policiers
vraiment. Et puis il y a plein de crimes aussi dans ta façon de lire. Donc les trois romans policiers, et c'est pas le genre roman policier que tu suis, c'est autre chose, hein, mais c'est Boileau d'Arcejac, mmh. autour de la question. Pardon, c'est des doubles. Voilà, Boileau d'Arcejac, c'est Nadeau. Bon, non plus, je connaissais pas en tant qu'écrivain. J'ai toujours cru que c'était du polar pour prof de lettres classiques qu'on avait laissé avec l'Auguste Fulminant, qui est un polar sur Virgile, qui a tué Virgile. Est-ce que Auguste a empoisonné Virgile? Et puis donc Manchette. Donc est-ce qu'il y a un point commun qu'on pourrait faire autour de cette façon de revisiter le roman policier? Ou je sais pas, tu préfères qu'on fasse d'autres types de groupages? Non. Voilà. Enfin, ce que je trouvais après, en faisant les livres, on a des petites idées comme ça de choses qui amusent comme auteur du livre. Mais moi, je trouvais amusant qu'il y ait des voisinages un petit peu inattendus ou que certaines choses puissent faire écho. Alors, il y a un moment, pour l'introduction, je m'étais demandé si j'allais un petit peu systématiser ça et dire, voilà, il y a un fil, ça serait, qu'est-ce que ça veut dire de relire un livre? Il y a un fil Flaubert qui court chez Manchette, chez Pérec, chez Quignard, chez beaucoup. Mais dans l'idée que qu'un romancier doit trouver des solutions particulières propres à une invention fictionnel, je pense que dans l'ouverture de ce corpus, le roman policier et les versions roman noir pour le 20e siècle sont vraiment fondamentales. Et effectivement, ça m'avait amusé. On m'avait demandé à un moment de voilà. On a une rubrique dans une des revues que je dirige qui s'appelle Relire. Bon, et je me suis dit, tiens, je vais relire du Boileau d'Arcejac. Boileau d'Arcejac, c'est quand même Sueur froide, c'est Vertigo, le film d'Hitchcock, c'est Les Diaboliques. Enfin, c'est des films très, très célèbres. Hein. C'est des scénarios qui ont beaucoup marché. Et là, ce qui m'intéressait, c'était comment ça marche un roman policier qu'on écrit à deux. Parce que c'est quand même ça, le truc. Il y en avait un qui faisait l'intrigue, puis il passait à l'autre qui écrivait le truc. Voilà. Donc, et en fait, si on commence à regarder de cette façon-là, il y a une manière très particulière de réinventer une forme de roman policier dans les années 50, qui est un roman policier de psychologique. Voilà. La question du double, tu la vois dans l'écriture. Et la question du double, se négocie, qui est en tension dans l'écriture. Tous les scénarios de Boileau d'Arcejac, si on les regarde, hein, c'est toujours une histoire de dédoublement, de... Si vous avez vu le film d'Hitchcock, hein, il y a une première femme qui est faussement tuée, mais celle dont elle est la doublure a été véritablement tuée. Et celui qui était chargé de l'enquête, qui est soumis au vertige, hein, parce qu'il est soumis au vertige, ne peut pas arriver et voir qu'en fait, c'est la vraie femme, mais pas celle qui l'a suivie, qui est tuée. Et dans la deuxième partie, il retrouve la doublure, mais de façon assez terrible. Il est tellement obsédé par la première histoire qu'il demande à la doublure, alors que c'est la vraie femme, hein, de jouer le personnage qu'elle jouait dans la première partie du film. Voilà. Et il y a d'autres scénarios assez amusants chez Boileau d'Arcejac. Voilà. Donc, oui, il y aurait une sorte de thème de double qui court de Jim Crick à... Entre double, schizophrénie, toutes ces voix, jusqu'à non seulement Marine Diable, jusqu'au dernier, celui d'Éric Marty autour celui de la fille, Marty, le il ou elle. Voilà, c'est ce que tu. Question des pronoms, c'est ce que tu relis. Tu recherches les continuums, que... hein, relire dans La Fraude des Flandres, dans Pérec. Oui. Moi, je ne suis pas romancier du tout. Hein. Je pense que j'écrirai jamais de roman, mais j'imagine en tout cas qu'un romancier est aussi poussé par une sorte de scénario fictionnel qui parfois ressemble un peu à une forme de rêve ou d'obsession, voilà, qui a quelque chose comme ça qui essaye de donner figure. Et si on s'intéresse à l'énergétique du roman, je pense qu'il y a c'est comme si l'histoire devait réussir à nommer
une forme un peu comme celle d'un rêve au réveil, vous voyez. Tout d'un coup, on essaye de se souvenir de quelque chose, on essaye, même quand on raconte un rêve, en fait, on redonne tout d'un coup une sorte de logique à quelque chose qui était peut-être juste des images séparées, enfin bon. Et la dernière étude qui est sur le livre d'Éric Marty, qui s'appelle « Une fille », moi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup impressionné. Voilà, On peut le raconter en deux minutes pour tous ceux qui ne l'ont pas lu. Oui, une fille, ça... c'est pas forcément une fille, c'est peut-être un garçon, voilà, objet de fantasme pour le narrateur et que tout le village poursuit. Voilà, c'est en fait pas une fille, mais un jeune garçon installé dans le rôle de fille et qui devient l'objet comme ça de. Du désir de toute cette petite ville qui est très village Landon qui baigne dans un climat très à la Bernanos, très 19e, voilà. Pour donner une autre idée de ça, moi je il y a très longtemps j'ai travaillé sur L'étranger de Camus. Camus, quand il a fini le livre, a écrit, alors de façon assez drôle, quasiment la même lettre à la fois à sa femme et à sa maîtresse. Enfin, bon, il dit deux fois la même chose, mais il dit, c'est le moment, vous voyez, c'est le moment où un romancier écrit, il dit, j'ai fini L'étranger, j'ai réussi à l'écrire comme un somnambule. Et il écrit ce livre qui est, si vous le relisez, très composite, il y a une partie, une autre, ça marche pas très bien en vérité comme roman, mais quelque chose pousse le livre jusqu'à son final magnifique, L'indifférence du monde, accueillir la mort de Meursault, etc. Voilà, moi, dans le livre d'Éric Marty, mais dans d'autres de ses études, voilà, il me semble que la traction d'un livre pour l'écrivain et qui marche aussi pour le lecteur, c'est cette espèce de poursuite, une sorte de scénario comme ça. Et le livre d'Éric Marty, moi, je l'ai lu comme le titre que j'ai donné, c'est La confusion la plus nette. Voilà, mais qu'il y a une confusion du désir, de la sexualité énorme, puisque dès le début du livre, vous ne savez plus du tout si le pronom féminin désigne une femme ou un homme. Voilà, et tout le livre, et parfois vous relisez les phrases, vous vous dites, mais de qui on parle? De quoi on parle, hein? Voilà, et il me semble que un roman, Éric Marty n'est pas que romancier, mais ce roman-là, c'était une manière pour lui de donner une forme à quelque chose qui est confus, qui est contradictoire, qui est comme le désir lui-même qui peut pas, hein, et qui va finir mal. Je ne vais pas raconter la fin du livre, mais voilà. Mais en même temps, de le faire avec une sorte de netteté. Dans le scénario, dans la nomination des choses. Voilà, donc ça m'intéressait de reprendre à la fin, dans le dernier chapitre du livre, l'idée que oui, un romancier peut être comme ça, un peu obnubilé par une sorte d'image qu'il porte avec lui et à laquelle il devrait donner la plus grande netteté, voire la plus grande réalité, hein, jusqu'au bout de son effort. Et ça permet de lire dans le roman d'Éric Marty, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, le livre s'ouvre par Jim Click, qui est un livre très peu connu, et sur un roman récent que peut-être pas tant de gens que ça ont lu, mais pour moi c'était important de donner envie ou de lire un roman d'Alain Nadeau, voilà, dont Hélène a donné une des parties d'intrigue, mais qui est plutôt amusante, c'est qu'en fait, Virgile a été assassiné par deux émissaires de l'empereur Auguste parce que il était sur le point de laisser tomber l'Énéide. Voilà, donc il y a une fausse correspondance des deux émissaires qui l'ont assassiné, et il y a un crime dans le passé avec un crime dans le présent. Enfin bon, et toute une réflexion sur ce que c'est qu'un musée archéologique et qu'est-ce que c'est qu'une archéologie, qu'est-ce que c'est de retrouver des fragments de mosaïques et de choses comme ça. Voilà, donc le motif de l'enquête policière est évidemment voilà, une de ces tractions qui fait qu'on lit les livres aussi, c'est-à-dire ce simple désir de savoir un peu la résolution, mais ce désir de savoir, il est compliqué par des choses plus
plus confuse, on pourrait dire, si, on reparle. Retarde le savoir ou empêche le savoir ou font écran à ce savoir-là. Donc, dans toutes ces forces, dans toute cette énergétique que tu as tenté de suivre, il y en a une quand même qui pourrait être parmi les fils conducteurs qui est lancée avec Sang Noir. Hein, Sang Noir, bon, ce livre de Guillou qui est le deuxième que tu étudies dans le livre. Si on essayait de faire pour les regrouper, pour pas faire les 19 à la queue leu leu comme ça, autour de cette rage ou de si on allait de Guillou à Mauvigné, autour de ce qui suinte, de ces jus noirs ou de ces palpitations, qu'est-ce que c'est cette traction là qui prend cette forme assez violente, qui contamine pas mal l'espace du texte. Oui, tout à fait. Enfin, je reviens au livre précédent, La Passion de l'impossible. C'était un peu pourquoi toute une série d'œuvres importantes a cherché plutôt à dénuder le roman, à procéder à des opérations de soustraction, de contestation, jusqu'où on peut réduire la place du personnage, jusqu'où on peut. Mais pour moi, ça a toujours été aussi une sorte d'outil pour réfléchir à des gens sur lesquels je travaillais en même temps. Mais bon, par exemple, je prends un autre auteur, mais Marine Diaye, depuis que je la lis, pour moi, c'est c'est un peu bête de dire comme ça, c'est une vraie romancière. Elle pense en romancière. C'est peu une théoricienne. Hein, mais c'est une vraie dramaturge aussi. C'est une vraie dramaturge. Mais enfin, elle pense. Donc, c'était. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire finalement être un vrai romancier ou une vraie romancière? Qu'est-ce que Guillou, le Sang Noir, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est un très très beau livre, qui est peut-être. On peut le raconter aussi. Tu aimes bien raconter les histoires. Oui, on peut le raconter. C'est l'histoire, le personnage le plus connu, c'est Cripure, une sorte de professeur de philosophie. Dont le nom est le résumé de critique de la raison pure. Voilà. Qui est à la fois un original et quelqu'un qui a raté sa grande œuvre philosophique, etc. Et l'histoire qui va amener à la mort de Cripure se passe en 1917, donc à un moment particulièrement... En une seule journée, et sur fond donc de la crise du moment le plus terrible de la guerre 14-18, du début des grandes désertions, de la reprise en main par l'armée, etc. Enfin bon, c'est une satire très féroce des petites villes françaises, du lycée. Cripure est un professeur de philosophie, du rapport avec ses collègues, des élèves. Enfin bon, moi ce qui m'intéressait, c'était que c'est un des romans les plus à la Dostoïevski des années 30, mais effectivement que le roman puisse aussi chercher une forme comme. Là, ça voisine absolument avec Le Bleu du Ciel, voilà, de rage existentielle et politique. Voilà, et de quelle manière un scénario particulier, comme le personnage de Tropman va à Barcelone, etc., va ensuite en Allemagne, enfin bon, de quelle manière ça peut être, le romancier peut être alimenté aussi, effectivement, ou l'énergie de son roman. Et autour d'une sorte de désir de fracturer quelque chose, de faire passer une sorte de vérité qui pourtant doit se dire dans des images, dans des scénarios. Voilà. Et par exemple, pour Laurent Mauvigné, que je crois aussi... Donc, j'insiste un peu sur cette idée, mais moi, je suis un peu fatigué comme professeur de littérature contemporaine qu'on soit toujours à dire... Ah, il n'y a pas grand-chose dans le roman français. Ah, c'est pas terrible. Ah oui, depuis... Enfin bon, moi, j'étais aux États-Unis dans les années 80 et c'était un peu la scie à l'époque de dire... Ce que je trouvais drôle, c'était... Il n'y a plus de grands romanciers comme Sartre et Camus. Alors moi, ça me faisait un peu rire parce que je ne suis pas sûr que Sartre et Camus soient de grands romanciers. Mais enfin bon, c'est grands écrivains, mais je ne suis pas sûr que ce soient des grands romanciers au sens strict. Mais bon... mais vous voyez, cette scie, elle continue, Todorov après, enfin, il y a toujours un truc, les Français n'ont pas la tête au roman, vous voyez, c'est les Anglo-Saxons, les Espagnols, les Hispaniques, mais bon, moi, il me semble qu'il y a, alors, c'est pas non plus pour donner des bons points aux uns aux autres, mais
Je pense par exemple que chez Laurent Mauvignier, il y a une énergie narrative très très forte autour d'un motif que j'ai essayé de montrer, c'est autour d'une sorte de blessure qu'il faudrait réouvrir. Tu dis qu'elle fait naître le fort intérieur, qu'elle le déplace, hein, c'est de cette blessure que naît un fort intérieur qui vraiment se traduit en monologue. Et qu'elle déplace même l'espace du fort intérieur dans ce type de monologue, avec des monologues même de gens qui ne sont plus là. Oui, oui, oui. Mais enfin, c'est une image qu'il y a en exergue d'un des livres de Laurent Mauvignier qui reprend à Genet. Mais voilà l'idée que le fort intérieur est constitué par le pu d'une blessure qu'il faut en fait refaire exprimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est exprimer. Donc, vous voyez, comme on exprimerait un jus ou. Voilà, et la force, la beauté aussi des textes de Mauvignier, je trouve, est dans cette espèce de rapport très tendu au monologue, puisque le monologue doit expulser quelque chose qui est comme ça enfoui, qui reste impossible à dire ou tue, dans les rapports familiaux d'abord, puis dans d'autres manières de montrer ça, voilà, et il me semble que ce travail-là, par rapport à l'idée du fort intérieur, des rapports entre les individus, voilà, a une forme spécifiquement romanesque, parce que ça passe par des personnages qui vont être même le lieu de cette espèce de difficulté de parler, mais de pousser à la parole. Enfin bon, ça va jusqu'à des hommes, etc. Et ça m'intéressait de voir de quelle manière une sorte de motif un peu obsédant chez lui, hein, donnait cette force, cette espèce de. Hein, et contrairement à ce qu'on dit souvent pour certains auteurs publiés chez Minuit, donne aussi à l'œuvre de Mauvignier sa dimension pathétique, enfin quelque chose qui est très, très. Oui, pleine de pathos, d'affect, de. Voilà. Donc c'était pas. Vous comprenez aussi que c'est, enfin, dans cette façon de travailler sur certains romans, la question de la forme est pas juste là pour dans une optique purement formaliste. Voilà, c'est pas juste, mais que cette force, elle est toujours au service, où elle doit aller dans le sens de l'expression d'une force. Et chez Mauvignier, je trouve que là, une de ses solutions, je ne sais pas quel mot il faut dire, mais en général, il y en a une que j'adore à travers tes livres et tes articles, c'est la formule du roman, la formule provisoire. Formule provisoire, voilà, comme qui Kundera, pas en dehors du roman. Comme Kundera a pu en trouver, enfin voilà, après, mais il n'y a pas de loi possible, et puis après tout, attendons le prochain romancier qui trouvera. Enfin voilà, donc cette inventivité, elle est très ouverte, mais je pense que si on le situe dans une sorte de continuum historique, on voit aussi qu'il y a des moments où, dans le champ de ce qu'est le roman, et je pense que les grands romanciers sont aussi de bons lecteurs des autres romanciers. Et de ce qui s'est fait avant et de ce qui leur apparaît nécessaire à faire au moment où ils arrivent, voilà. Mais je pense que pour Mauvignier, c'est un des outils, mais c'est plus qu'un outil, le matériau qui a été le sien et qui a ouvert à une série de livres, c'était, voilà, de redonner au monologue une sorte de monologue, puissance. Même choral, même. Oui. Même chorale, même la danse. Le premier livre est organisé autour d'un personnage qui est mort, qui s'est suicidé, et voilà, donc, qui ne peut plus parler, mais dont, et à la fois les proches, mais lui aussi va faire entendre quelque chose. Enfin bon, donc je pense qu'il y a lui qui a essayé pendant des années d'écrire des trucs un peu post-nouveau roman, très. Oui, bon. Voilà, tout d'un coup, il écrit ce premier livre et ce qui lui vient, c'est cette formule d'un monologue qui n'est pas celui de Beckett, qui est pas, voilà, qui redonne aussi des personnages, des situations pathétiques, des conflits, des, voilà, toute une machine qui est une machine romanesque en vérité, voilà, où Marine Guy le fait autrement, mais enfin bon,
Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est voilà, ce qui fait que quand on lit ces romans, on est aussi, quand je parle de traction, c'est que ça mobilise aussi pour le lecteur des affects particuliers, des choses qui... Bon, qui mais vous voyez que ça touche lire Mauvigné ou lire Marine Diaye. Après, on peut rester extérieur à ça, mais ou lire Le Sang Noir, c'est effectivement rentrer dans une temporalité particulière où ce qui vous amène à lire le livre est aussi ce qui vous remue d'une certaine façon autour de la possibilité ou non de s'exprimer, autour de la résolution violente ou pas violente des rapports interindividuels. Le Sang Noir, c'est un très beau livre aussi. C'est un livre sur la guerre sans qu'il y ait la guerre, mais la guerre est partout. Voilà, au plus noir de ces, c'est pas sur le front, hein, c'est vraiment dans cette petite ville de province. Bon. Mais Saint-Brieuc, peut-être, voilà. Peut-être Saint-Brieuc, oui, tout à fait, voilà. Mais donc, ça veut dire aussi se rendre attentif à quelque chose qui est plus difficilement domesticable ou figurable. Il y a des formes de Il y a un contenu plus violent et peut-être aussi que c'est ça qui fait qu'un romancier n'en finit pas avec sa propre solution. C'est-à-dire qu'il est comme manchette, il est voilà. Donc, c'est pas qu'il trouve quelque chose, c'est pas juste ah, voilà la bonne idée. Ça se passe autrement, mais que tout d'un coup, il a, oui, formule, je retrouve le mot. Non, mais il trouve comme. Alors c'est plus de la chimie, mais voyez, il trouve une sorte d'équation qui lui permet à un moment, et avec ça, il n'en a pas fini pendant un certain moment, où ceux qui arrivent après sont obligés de déplacer un peu les choses pour. Enfin bon, donc moi, je voulais vraiment que le livre aille. Donc il est sans conclusion. Et puis pour ceux qui voudraient le lire, vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire. Vous pouvez lire ce que vous voulez. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai lu dans le désordre. Moi, j'aime bien qu'on lise des livres dans le désordre. Il n'y a pas un début et une fin. Puis on peut lire sur les auteurs qu'on aime bien. Mais que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est un livre où je me dis, voilà, peut-être que dans 10 ans, j'écrirai la suite. Non, mais enfin, vous voyez, il n'y a pas, contrairement à ce que une certaine idée moderniste a pu croire, il n'y a pas une sorte d'essence du roman qui sera atteinte définitivement, puis après on passerait à autre chose, ou la forme aurait réalisé, ou ça se serait périmé, comme disait Rob Grier à un moment, vous voyez, les notions périmées, tout ça, je crois qu'on n'est plus du tout là-dedans. Et donc si on n'est plus là-dedans, on n'est pas non plus dans une théorie générale du roman, ce serait très... Ça serait très arrogant et très ridicule de dire le roman doit être ça. Vous voyez, enfin, j'en sais rien. Et puis, comme lecteur de roman, je crois que les uns et les autres, on aime bien tomber sur un roman qui correspond pas à ce qu'on pensait devoir être le roman. Et puis on se dit, ah ben si, ça finalement, ça marche, ça nous tient, ça nous porte. Voilà. Donc moi, je voulais un peu plaider, militer, je sais pas comment faut le dire. Non, mais enfin, témoigner. Oui, témoigner, non, mais montrer que ce plaisir de lire des histoires, ce plaisir d'être embarqué par des histoires, cette capacité à tomber sur des univers et des solutions romanesques qui, comme ça, ont une force particulière. Voilà, donc quand j'ai parlé tout à l'heure du plaisir du commentaire, ça veut dire aussi pour moi de nommer le plus exactement possible la singularité des œuvres. Voilà. Et ça, c'est pas théorique, c'est vraiment du commentaire. C'est-à-dire que voilà, ça se passe très particulièrement chez Mauvigné autour de certaines images. Et quand on commence à rentrer dans cette idée de la blessure, d'exprimer le pus de la blessure, enfin, on n'est pas dans des images très ragoûtantes, quand même, pour commencer. Mais... voilà, on peut lire aussi un texte qui est beaucoup moins connu de lui, qu'il a publié d'abord sur Internet, un texte qui s'appelle « Plus sale », qui est un drôle de texte très, très violent sur un personnage qui aimerait qu'en faisant l'amour avec les gens qui
homme ou femme qu'il rencontre comme ça la nuit dans des atmosphères assez glauques, voilà, mais qui puisse pénétrer à l'intérieur des autres, qui puisse toucher les autres, qui puisse rentrer comme ça. Enfin, voilà, donc et ça éclaire même des textes qui sont plus expérimentaux ou plus limites ou que Movigny a gardé. Voilà, mais réussir à nommer l'effet particulier de ces textes, mais aussi la singularité de chacune de ces entreprises. Voilà, donc c'est, il y en a 19, il y aurait pu en avoir 25, ou il y en aurait pu en avoir 15. Enfin, bon, mais après, c'était un peu aussi les hasards. J'ai pas tout mis de ce que voilà, mais c'était à chaque fois avec le souci de savoir en quoi c'était une sorte de réponse de romancier à des questions qui sont des questions pas techniques, pas formalistes, voilà, mais qui sont quand même des questions aussi de fabrication de voilà, un romancier c'est quand même quelqu'un qui passe parfois très 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 longtemps, voilà, et passant beaucoup de temps, comment il finit par maintenir ce que Bernard Pinault appelle l'ensemble, qui va lui permettre quand même de donner une forme finale, un ensemble final. À ou de le sauver, parce que parmi tous les enragés donc, que tu as suivis, il y en a un qui m'intéresse, parce que quand même, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, il y a longtemps, on se connaissait pas, on avait pris un verre, on était d'accord sur un truc tous les deux, c'est que Houellebecq, c'était nul. Et oui, puis, revu quelques années après, et voilà, non seulement c'était plus nul, mais c'était devenu très important. Il y a donc un superbe chapitre sur la carte du territoire, notamment. Mm. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Notamment, comment on passe d'un livre qui ne touche pas, qui ne fait pas livre, à quelque chose? Par quoi Houellebecq t'a-t-il attrapé? Et comment est-ce pour nous expliquer que finalement, quand on te lit quand même, d'accord, pour dire que c'est un type pas très intéressant, finalement, c'est le roman, c'est la forme du roman, la solution à laquelle il arrive, les tensions qui sont là presque malgré lui. J'ai pensé en lisant ce chapitre au jugement dernier de Michel-Ange, là, à ce moment où Saint-Barthélemy rattrape la dépouille, là, et tu le sauves. Hein. Alors, je le sauve, je sais pas. Non, mais vous voyez, enfin, c'est aussi pour ça que c'est un livre qui s'écrit sur un certain nombre d'années. Moi, Houellebecq, j'avais bien aimé Extension du domaine de la lutte, ça m'avait intéressé. Bon, après, j'avais détesté Les particules élémentaires. Bon, voilà. Je note au passage, moi, j'aime pas faire de la critique négative. C'est-à-dire que ça m'intéressait pas d'écrire ce genre de truc. On l'aurait pas écrit, mais enfin... mais ce livre est dégoûtant, etc. Bon, voilà. Et puis, alors, il y a deux choses. Il y a une chose un peu professionnelle, c'est-à-dire que là, il y a un écart qui est assez curieux entre la réception française de Houellebecq et la réception internationale de Houellebecq. C'est-à-dire que si vous allez à l'étranger, si vous êtes dans des départements de littérature française, etc., si vous rencontrez des gens qui lisent de la littérature française, ils sont tous à vous dire « Ah, Houellebecq, ah, Houellebecq, ah, Houellebecq ». Bon. Donc il y a un moment, comme vous êtes censé venir en tant que professeur de littérature contemporaine, si vous n'avez rien à dire sur Houellebecq, il y a un moment de gêne. Enfin, je vous assure, c'est-à-dire... Bon. Alors, moi, j'ai eu l'expérience inverse avec Murakami au Japon. C'est marrant, parce que Murakami est un auteur... Cette réception mondiale, en fait, elle est intéressante aujourd'hui. Mais j'ai eu le malheur de dire que je trouvais pas mal Murakami à des collègues japonais, tous universitaires. J'ai senti une sorte de mépris abyssal. Ils avaient l'air de se dire, ce type avait l'air d'un bon lecteur, mais il aime cette daube de Murakami. Bon, voilà. Mais parce que peut-être pour les Japonais, ça joue trop sur... Je sais pas. Enfin bon, la discussion était aussi embarrassée que moi, à un certain moment... Parlant de Houellebecq à des collègues étrangers, j'ai regardé des gens un peu inquiets. Vous trouvez ça vraiment bien, mais bon. Alors, le changement s'est fait autour de La carte et le territoire, parce que je trouve que c'est un livre tout à fait. Mais, et alors, justement, La carte et le territoire est un livre mal fichu, mais ce mal fichu m'intéresse et marche. Alors,
un ami William Marx m'avait dit « Ah, en fait, t'aimes bien Houellebecq dès lors qu'il se met à écrire le roman d'un artiste. » Bon, peut-être. Mais... Que le personnage principal... Jed Martin, voilà, est artiste, romancier, photographe, photographe de carte Michelin. Voilà. Alors, ça déplie une sorte de satire de l'art contemporain que je trouve quand même très, très intéressante et, très, et assez forte. Et ça fait une chose aussi très étonnante, un peu à la Bret Easton Ellis. Houellebecq se met en scène dans le livre comme un alcoolique, quand même très très déjeté, et il se met à mort dans le livre. Il est sauvagement assassiné, dépecé, son sang est répandu partout. Enfin bon. Et ce geste-là que Houellebecq a prolongé dans le petit film, je ne sais pas si vous l'avez vu, L'enlèvement de Michel Houellebecq. Un film très, très étonnant et très drôle, où on ne peut pas dire quand même que narcissiquement, Houellebecq s'en sort très très bien, parce qu'il est complètement... Bon, il fume n'importe comment. Bon, donc, là, il y a une sorte de révision, et en fait, en revenant... Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a à voir avec la relecture. C'est-à-dire qu'il se passe une chose particulière avec la relecture, c'est qu'en fait, si vous... Quels sont les livres que 10 ans après, il y a des livres que vous avez beaucoup aimés, puis en fait 10 ans après, c'est même étrange, ça vous tombe des mains, ça vous intéresse plus du tout, ça. Moi, j'écris un petit que sais-je sur l'histoire du roman français au XXe siècle, hein, et j'avais fait l'expérience que j'avais trouvé très drôle de lire le que sais-je écrit 15 ans avant, voilà. Et la partie la plus récente du que sais-je précédant le mien, je la lisais, je connaissais aucun auteur. Ou des noms très vagues où je me disais, mais ça c'est nul, enfin plus personne lit ça. Ou je... Bon. Et alors ça aurait pu me paralyser entièrement. Je me suis dit, je vais faire la dernière partie pareil. Et le type ou la fille qui écrira le que sais-je 15 ans plus tard lira mon petit livre et dira. Oh là là, rabattez, il lisait ces trucs-là, mais qui, vous voyez, enfin bon, c'est, mais ce geste-là, il arrive aussi quand on relit des textes. Donc, faut pas, à part le livre d'Éric Marty, mais parce qu'il a une consistance particulière, je dis, faut aller assez près, mais faut reprendre aussi dans une histoire du roman où il y a du Bernanos, où il y a des choses comme ça. Voilà, mais et Houellebecq, ça a été, alors qu'il y a eu un moment, quand on relit ces textes-là. La solution particulière de Houellebecq, elle n'est pas plaisante. Elle consiste en gros à avoir occupé une position possible du roman dans les années 80, qui est le petit blanc frustré, raciste et misogyne, à qui on donne le maximum d'extension pour une sorte de libération du discours le moins politiquement correct possible. Alors, ça peut paraître dégoûtant, mais en fait, ça donne aussi une force satirique, une espèce de neutralisation de la voie narrative. Dès l'extension du domaine de la lutte, il dit très clairement, le narrateur de Houellebecq, mais Houellebecq donc très clairement aussi, faudrait trouver une narration très plate. Voilà. Faudrait trouver... Bon. Et ce créneau-là, si je peux dire, mais ça fait trop comme si c'était une recette, ou parce que c'est plus que ça chez Houellebecq. Voilà, cette position-là qui a des effets ironiques indécidables, Houellebecq l'occupe. Et en fait, moi, en revenant à ça, je j'aimais pas ça, mais je me suis dit qu'il tenait dans ce continuum des possibilités du roman. Il occupe une sorte de position très... Alors, là aussi, la tension est très forte, parce que c'est presque indécidable. Est-ce que Houellebecq pense comme ces narrateurs qui disent des horreurs racistes, qui parlent des femmes d'une façon absolument atroce, enfin bon, vous voyez, ou est-ce qu'il est dans un truc un peu flaubertien et c'est entièrement ironique? Après, en même temps, quand il donne des interviews sérieuses, il dit un peu les mêmes bêtises, mais lui, bon. voilà. La solution aussi des particules élémentaires, moi, j'avais détesté ce livre, mais c'est indéniable qu'il y a une idée de romancier assez forte, qui n'est pas, justement, Houellebecq théoricien, ou dans les textes d'opinion, c'est très faible, vraiment. Hein.
Et sans doute parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête très politique non plus, malgré les apparences de soumission. Mais l'idée quand même de romancier assez forte, c'est alors que tout le monde est à dire on est dans la société du désir, du tout, les particules élémentaires, c'est cette espèce de pied de nez de dire je veux vous décrire une société où tout va bien parce qu'on a, on en a fini avec le désir sexuel. Le clonage a résolu cette vieille, cette vieille affaire qui nous rendait tous malheureux. Alors, est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est un truc sérieux? Dans le premier temps, on peut, voilà, dans le premier temps, moi, j'avais été très agacé par ça. Je trouve que c'est aussi une sorte de réussite de romancier de vous proposer cette espèce de... C'est un peu indécidable, mais en même temps, c'est un coup de force... comme le début de Soumission, après je trouve que le livre, mais voyez, et chez Houellebecq, il y a quand même aussi cette espèce de geste qu'à chaque fois, ça se déplace vers un futur un tout petit peu, voilà, un futur très mélancolique. La fin de La carte et le territoire est très belle, vraiment. Jeanne Martin s'est retirée à la campagne, etc. Il ne travaille plus à ce moment-là que sur des vidéos avec des petits Playmobil. Voilà, et la dernière page du livre est... s'ouvre sur une espèce de disparition complète de tout homme. Martin est mort, etc. Et tous ces petits dispositifs avec les Playmobil sont recouverts par la végétation. Enfin bon, une sorte de mélancolie de fin du monde. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait chez Houellebecq, finalement, c'était que ça serait lui, curieusement, sa solution serait d'en terminer avec le roman. Le roman en position vraiment... Alors, c'est pas Proust Terminus, mais là, pour ça... La fin du roman paraît annoncée par Houellebecq. Voilà. Jusqu'où il peut aller. Voilà. Après, ça peut permettre. Mais vous voyez, mon propos n'est pas non plus de lire l'auteur de façon séparée. Moi, je trouve que Sérotonine est un assez mauvais roman, plus paresseux dans sa façon de l'écrire. Mais bon. Voilà. Mais. Dans cette idée qu'il y avait une série de possibilités, mais j'en oublie, il y en aurait d'autres, et puis il n'y a pas Giono, et puis il n'y a pas... Enfin, vous voyez, donc c'est pas un catalogue et c'est pas une taxinomie. Mais il m'a semblé quand même, au fil des années, que c'était difficile de pas regarder ce qu'on pourrait appeler la solution Houellebecq. Voilà, qui n'est pas une solution ragoûtante, une solution réjouissante, non, mais même pour nous, et même ça, c'était finalement assez intéressant, c'est-à-dire de quelle manière ça nous met aussi un peu en porte-à-faux par rapport à toutes sortes de discours, dont un discours qui ça rencontre des limites même de notre méthode, vous voyez, parce que en gros, les professeurs de littérature, ils avaient pris l'habitude de dire que plus un texte est ironique, plus il est supérieurement littéraire. Flaubert. Et donc, plus un texte donne en fait une signification qui est bon, voilà. Vous prenez Houellebecq et vous vous trouvez très embêté avec ça parce que là, l'ironie s'arrête tout, elle passe où. Et si on vous dit, mais non, enfin, c'est pas du tout ce qu'il peut. Est-ce que c'est ce qu'il pense? Est-ce que c'est pas ce qu'il pense? Est-ce que si on était conforme à des choses qu'on a enseignées très longtemps, on devrait dire Houellebecq est un auteur, c'est le Flaubert de la fin du XXe siècle. On ne peut pas dire ça non plus. Parce que, justement, c'est le choix de l'écriture entièrement plate et parce que c'est dans une espèce de position du petit blanc frustré qui est... Voilà. Donc, voilà. Donc Houellebecq, oui, moi, j'étais un peu obligé, comme une sorte de débat avec moi-même. Je ne sais pas comment le dire. Schizophrénie. Non, c'est pas une question d'honnêteté, voilà. Et je cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit de que Houellebecq serait, voilà. Et la première étude sur Houellebecq, elle est justement sur une question plus directement politique. C'était la question de savoir si Houellebecq peut, si on gagne à le mettre avec ce qu'on appelle les nouveaux réactionnaires aujourd'hui, les néo-réacs qui forment quand même bon. Auquel il participe très clairement, mais pas tout à fait de la même façon. Voilà. Donc Houellebecq, je me suis retrouvé
embringué dans un chapitre double sur Houellebecq. J'aurais plein de questions à te poser. J'avais envie de voir cette énergétique à travers toutes ces figures, en particulier celle des couplages. Il y a beaucoup de chapitres où la dynamique, c'est des couplages de termes contraires, enfin, qui tirent la force vient de ce qui tire en force contraire. Par exemple, Camus entre simplification et simplicité, et Schnauss entre virtuosité et quelque chose de moins maîtrisé, etc. Je ne sais pas si on part là, parce qu'il est écart, et qu'on nous laisse un quart d'heure maximum de questions. Tu peux en dire peut-être deux mots avant qu'on fasse une petite conclusion sur cette énergétique. Sur ces couplages, peut-être, avant qu'on passe la question à la salle. Oui, oui, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de l'étude sur Camus, qui est une étude sur la peste. Voilà. Et La Peste, moi, c'est un roman à le relire qui m'intéressait parce que je pense que Camus est tiraillé entre, comment dire, l'espèce de simplification allégorique de son livre. Mais cette simplification allégorique, on sait qu'elle a posé un gros problème, puisque si vous naturalisez le mal, c'est le livre écrit juste après la guerre, hein, ça a été tout de suite remarqué. Car si vous dites le mal, c'est la peste, ça arrive avec les rats, etc., alors qu'on sort du nazisme, bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dépolitisez la question? Bon, hein, alors que c'est en même temps le grand livre de la solidarité, de l'effort pour justement rester malgré tout, soigner les autres, se dévouer. Enfin bon, mais donc il y a le livre est sans arrêt tiré par une sorte de simplification allégorique de lui-même, alors même que, et ça c'était une chose que Blanchot avait écrite de façon très belle à la mort de Camus, ce que cherche Camus et qui lui donne, je trouve, une force d'écriture beaucoup plus poignante et beaucoup plus forte. C'est ce qu'il appelle lui-même la simplicité. C'est sa mère qui n'était pas, qui n'avait pas à lire ou très peu, taiseuse. Enfin bon, il y a cette nostalgie chez Camus d'une sorte de rapport simple au monde. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi j'essayais, c'est ça la méthode ou la manière de lire. C'est-à-dire qu'en fait, la peste est composée de cette tension qui parfois se résout vers des simplifications allégoriques. Le personnage de Tarou incarne aussi, enfin, vous voyez, c'est un côté, c'est très bon. Et quelque chose de plus, voilà, de plus sensible, de plus les pages aussi sur le bain, la nuit, etc. Enfin, bon, quelque chose qui serait un rapport au monde, hein, dont tout éloigne Camus en même temps, parce que devenant écrivain, évidemment, il le perd. Enfin, bon. Donc, il y a aussi des, pour moi, lire certains livres, c'est construire un peu une sorte de machine, mais qui est une machine tensionnelle, c'est-à-dire que voilà, il y a une contradiction, et je pense que ce qui fait que Camus écrit le livre jusqu'au bout, c'est avec le désir de résoudre cette contradiction dans le livre. Mais en vérité, le livre ne peut pas le résoudre, et peut-être que c'est parce qu'il ne le résout pas que c'est un livre intéressant, qu'on peut relire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, son effort lui-même d'arriver à quelque chose où ça, hein, ça tiendrait tout ensemble, bon, ça marche pas de cette façon-là. Et voilà. Donc il y a assez souvent, dans certains des chapitres ou certains des études, voilà, comme une des métaphores qui m'a paru plutôt juste pour Marine Diaye, c'est un dérapage contrôlé en voiture. La voiture va vraiment heurter et puis ça va mal se finir, mais voilà. Et la phrase de Marine Diaye, ces personnages sont dans un très très long et ralenti dérapage contrôlé qui va les amener à des choses catastrophiques, mais la narration le tient aussi. Voilà, donc c'est des sortes d'images qui permettent comme ça de donner une sorte de métaphore. Il y a un chapitre sur Kerangal, voilà, le réparer les vivants à cette magnifique métaphore de l'opération de remplacer le cœur, voilà, donner le cœur, hein, le don d'organes, mais du cœur. Voilà,
Et cette métaphore, elle est d'une puissance magnifique. Voilà, c'est le cœur du livre, ça fait battre le livre, etc. Mais elle mobilise aussi d'autres problèmes d'héroïsation des personnages. Enfin, voilà. Donc, la méthode, c'est toujours un peu voilà, d'essayer de trouver, non pas une figure où il y aurait comme la... Vous voyez, c'était un peu... Il y a une dernière question théorique un peu plus. Il y a une sorte de débat avec Jean Rousset, le livre « Forme et signification », dans le début du livre. Voilà. Rousset, il cherche la forme qui serait la signification du livre. Moi, je cherche plutôt l'espèce de machine tensionnelle et contradictoire par où il n'y a pas une signification, il ne peut pas y en avoir une, et il n'y a pas une forme. Il y a des emboîtements, il y a des... Voilà, ça joue dans toutes sortes de sens, et c'est parce que ça joue dans toutes sortes de sens, à la fois qu'on peut les relire et qu'on est poussé avec. Écoute, bravo, c'est l'heure, on aurait continué. C'est la conclusion. La conclusion.